Salut à tous, c'est Lof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour pouvoir avoir des stats de dingue avec n'importe quel exotique sur n'importe quel perso. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou bien aidé, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez puisque ça peut vraiment aider d'autres personnes et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce style sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec des bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire des phares, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 28 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code HELLWOLF, vous aurez une réduction. Le lien sera dans la description. Destiny 2 est un jeu de farm et de build. Plus vous allez faire des activités endgame aussi bien PvE que PvP, plus vous devez vous intéresser au stade de vos armures. Car ceci va vous permettre d'être immortel, d'être plus efficace ou bien de rendre des activités endgame ridicules car vous êtes trop bien préparé. Votre objectif est en général d'avoir des triple 100, des quadruple 100, mais il faudra avoir pas mal de chance pour cela. Cette vidéo sera utile aussi bien aux nouveaux joueurs qu'aux plus anciens d'entre vous, car j'utilise moi-même encore ceci aujourd'hui, notamment avec les différentes updates que Bungie peut faire sur les stats, les exotiques ou bien les méta. Je vais vous proposer deux méthodes différentes en fin de vidéo pour avoir ce genre de stats, une pour les free-to-play et une pour les non-free-to-play. On commence déjà par les stats, qu'est-ce qui vous est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile et que vous allez clairement négliger. Il y a une stat importante pour chacune des classes, c'est la stat liée à la capacité de classe. La mobilité est primordiale pour un chasseur, car ceci va vous permettre de réduire le CD de votre esquive. La résistance est primordiale pour un titan, car ceci va vous permettre d'avoir plus souvent votre mur, et depuis peu le dash du cryo. Et la récupération est primordiale pour un arcaniste, car ceci va vous permettre d'avoir plus souvent votre faille. Toutefois, ceci se base sur les grandes lignes des stats, car vous allez vite comprendre que ces stats primordiales pour chacune des trois classes ne sont pas forcément une obligation. Par exemple, en PvE, vous pouvez avoir besoin de récupération sur un build ou pas du tout sur un autre. Et depuis que la résistance est devenue broken en PvE, ne pas en avoir dans un build est une erreur bête, qu'importe la classe. Voici les stats pour du PvP. Je vais pas spécialement trop m'étaler sur le sujet car je n'y vais pas depuis quelques temps, mais voici ce que j'ai pu retenir en écoutant les conseils de joueurs qui vont régulièrement en tri. 10 de mobilité est obligatoire sur un chasseur comme j'ai pu vous le dire par rapport à son esquive. Et si vous jouez les autres classes, moins vous aurez de mobilité, mieux ce sera, même si la mobilité impacte tout de même le strafe. La résistance est variable selon les adversaires que vous jouez. En général, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes un casse-cou et vous visez un 0 à 3 de résistance, soit vous voulez être le plus flexible possible et vous prenez 4 de résistance, même si en réalité c'est plus un 5 de résistance et dans quelques rares cas, 7 sera utile, mais c'est vraiment rare. Pour ce qui est du titan, un 10 de résistance basique, c'est vraiment pas mal car ta barricade dépend de ta résistance. Niveau récupération, il n'y a aucune discussion possible. 10 de récupération est quasi obligatoire qu'importe la classe, car ceci va vous permettre de reachal plus rapidement votre adversaire au lieu de rester dans un coin à prier pour ne pas vous faire tuer par une vilaine grenade qui passerait par là, le temps de récupérer vos points de vie. Le fait d'avoir autant de récupération va vous permettre de trade plus régulièrement votre adversaire et mettre une pression constante et de montrer que vous existez, qui est important en PvP. Ceci est additionné à la discipline qui est nécessaire aussi, surtout pour couper les duels, empêcher une réanimation, prendre un pic, donc un petit 5 à 8 de discipline peut être vraiment très intéressant. Du côté de l'intelligence, je dirais 5 c'est pas mal, 10 d'intelligence n'est plus vraiment utile désormais depuis les changements sur cette stat. Pourquoi 5 d'intelligence? Car ceci vous permettra d'avoir votre super dans les moments importants, par exemple en trial où les matchs seront serrés et que le super va faire cette petite différence pour prendre la zone par exemple ou contrer un super adverse. 5 est un bon compromis entre si vous êtes bon, ben ça va booster plus rapidement l'accès à ce super, et si vous êtes moins bon, ça va tout de même vous permettre d'avoir ce petit truc qui va compenser le fait que vous ne faites pas beaucoup de dégâts. On arrive à la force. Certains joueurs Omnioculus jouent avec des 10 de force pour pouvoir spam l'invisibilité en permanence en plus d'avoir les 10 de mobilité. C'est vraiment utile dans certaines situations, mais ça reste des cas isolés. En général, le mieux restera 5 de force en moyenne. Encore une fois, si vous jouez chasseur, vous n'aurez même pas besoin de force car vous pouvez récupérer votre BD avec l'esquive. Et si vous êtes arca et que vous êtes en l'air, vous aurez la possibilité de la récupérer de moitié. En général, les stats pour du PvP, c'est plus selon le joueur, mais il y a quelques grandes lignes à suivre tout de même, comme la résistance pour un titan, la récupération pour les différentes classes ou bien la mobilité pour le chasseur. Voilà pour la partie PvP. Je vous invite à partager dans les commentaires vos préférences
importe pour du PVP, selon vos builds évidemment, ça peut aider d'autres personnes. On se tourne donc du côté du PVE. La mobilité sera utile uniquement pour un chasseur, encore une fois pour récupérer plus rapidement son esquive. La mobilité n'impacte en rien votre vitesse de sprint, seulement la hauteur de votre saut, mais ça reste négligeable, même si la mobilité impacte votre déplacement lorsque vous avez une relique en main par exemple, donc une stat uniquement utile pour le chasseur, vous pouvez oublier pour les autres classes. La résistance est désormais l'une des stats à privilégier en PVE depuis le récent changement de celle-ci, qu'importe la classe que vous jouez. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir ma vidéo concernant les différentes résistances in-game, le lien sera dans la description de la vidéo. La récupération n'est plus un must-have désormais en PVE, puisque l'on a maintenant beaucoup d'éléments qui permettent de se soigner, qu'importe la classe ou la doctrine, mais vous avez toujours des builds où cette stat sera nécessaire, surtout en arcaniste. La discipline est l'une des stats à avoir en PVE, c'était déjà plus ou moins le cas à l'époque, maintenant la plupart des builds se basent sur cette stat. L'intelligence ne sert absolument plus à rien, vu que votre super se régène lorsque vous faites dégâts, donc plus vous faites de dégâts, plus vous avez votre super rapidement. Et enfin, la force est une stat que vous allez oublier la plupart du temps, il existe quelques builds qui demanderont de la force, mais ça reste assez isolé. Maintenant que vous savez ça, il faudra donc aller chercher les stats que vous voulez. Mais il faut bien comprendre quelque chose d'abord, c'est que les stats d'une armure suivent quelques règles et sont donc divisées en deux catégories. La mobilité, la résistance et la récupération pour la première catégorie, et la discipline et l'intelligence ainsi que la force pour la deuxième catégorie. Et surtout, qu'une armure ne pourra pas avoir plus de 34 points par catégorie, qui fait un total de 68 points max pour une armure légendaire. Si quelqu'un vous dit qu'il a une armure de 69 ou plus, ce n'est pas possible. Il s'agit soit d'une armure qui fait partie d'un système dépassé et donc qui est sûrement sunset, ou bien d'un exotique, mais ceci reste extrêmement rare. Un autre point à comprendre, c'est lorsqu'une armure a un bump de stats dans l'une des deux catégories, par exemple 30 de force, vous ne pouvez pas avoir un autre bump de stats dans la discipline ou l'intelligence, donc dans la même catégorie, à cause de ces systèmes de répartition des stats. Le reste des stats, si vous avez une armure à stats élevées, iront donc dans la première catégorie, et très souvent, vous aurez un autre bump de stats dans celle-ci. Voilà pour la base, on arrive à la partie pour farmer ses armures, et une chose à faire quand vous avez l'intention de faire des triple 100 voire quadruple 100, c'est qu'il faudra obligatoirement des armures 62 plus minimum. L'optimal serait évidemment d'avoir que des armures à 68, donc si c'est en dessous de 62, je vous invite à les supprimer. Votre objectif est de collecter toutes les armures à stats élevées que vous pouvez avoir pour faire vos futurs builds. Toutefois, il faudra ajouter un mode sur votre spec qui va vous donner ce fameux bump de stats. Par exemple, vous voulez de la discipline sur vos armures, vous mettez le bon mode de discipline sur votre spec et lorsque vous allez avoir une armure, elle aura au minimum 10 de stats en discipline et très souvent, ceci résulte d'un bump à plus 20 voire plus 30 et s'il s'agit d'une armure à stats élevées, vous pouvez avoir un plus 30 aussi dans une autre catégorie. Pour farmer des armures à stats élevées, il existe plusieurs moyens de farm gratuits comme les nuits noires grand maître, les raids, les donjons qui sont possiblement les plus rapides à faire et demandent beaucoup moins d'effectifs et surtout plus la difficulté augmente, plus vous aurez tendance à avoir des armures à stats élevées ou alors par moment les PNJ comme Xur qui vend quelquefois des armures avec une bonne répartition aussi bien en légendaire qu'en exotique. Pour les non free to play, vous avez tout ce qui se base sur les engrammes de Lumbra et donc que vous pouvez décrypter et concentrer au Simu en ayant la bonne amélioration de l'interface que vous utilisez. Recruter Scorpion but le serviteur pour la carte stellaire, concentration d'armure hantée pour la couronne du malheur et autorisation de décodage d'armure pour la table de guerre. Je vous recommande clairement la table de guerre car vous n'avez pas besoin de 50 ressources pour concentrer un engramme. L'énergie ombrale réincarnée nécessaire pour concentrer un engramme se farme de manière passive en faisant ce que vous faites d'habitude, par exemple du PVP, des assauts, des donjons. Bref, pas besoin de vous rendre dans une destination ou une activité précise pour en avoir grâce à cette amélioration. Une fois que vous avez farmé suffisamment et que vous avez vos armures à stats élevées, il existe un site qui va calculer pour vous les triple 100 voire les quadruple 100 avec le meilleur combo possible avec tel exotique, telle armure, tel mode, etc. Voici comment ça se présente. Il faudra d'abord se connecter à votre compte. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, c'est comme dit. Vous choisissez ensuite votre perso et vous sélectionnez l'exotique que vous voulez build autour. Vous mettez ensuite les stats souhaités et ceci va calculer pour vous si vous avez la possibilité ou non d'avoir ce combo de stats. Vous pouvez même pré-shot les modes qui vont vous donner des stats bonus comme ami puissant par exemple, ou bien avec les fragments de doctrine qui donnent des malus ou des bonus, vous ouvrez le loadout dans le gym et vous le sauvegardez et ensuite vous l'appliquez et voilà, vous avez déjà un build pré-fait avec
un sang de résistance, un sang de discipline. Alors peut-être pas affiché à l'écran, il faudra sûrement masterwork les armures si c'est des armures que vous voulez de farmer. Et normalement, les modes seront déjà préinstallés dans ces différentes armures s'il y en a la possibilité. Vous pouvez faire ceci avec n'importe quel perso, n'importe quel exotique, n'importe quel stat, et ceci ne vous prend que quelques clics. Donc ce triple sang que vous voyez à l'écran n'est plus si inaccessible maintenant que vous avez les outils pour le faire. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est la récompense. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà un triple sang, voire un quadruple sang. Et j'aimerais bien le voir, hein. N'hésitez pas à le partager. Et si vous avez déjà connaissance de Dedo Armor Picker, et est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2, ou peut-être en stream sur twitch.tv/offense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.